Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue de base, une vidéo FAQ qui devait sortir genre dans 2 semaines, je crois. J'ai déjà mon planning de vidéo prédéfini et genre là, j'aurais dû avoir une grosse vidéo et il m'est arrivé un souci. Bah, ma voix ne s'est pas enregistrée. J'ai le seum, j'ai une solution pour la sortir samedi, du coup, dans 3 jours, je crois. Mais bon, c'est comme ça, j'ai trop le seum, il est 23h, je suis dans la sauce. Donc là, je sors la vidéo FAQ en catastrophe. Je vais répondre à vos coms que vous m'avez mis en post-commu il y a à peu près 2 semaines. Juste avant, si vous voulez m'aider financièrement, n'oubliez pas le petit code créateur MTX-du-Balex, ça fait plaisir. Et si vous voulez me soutenir, hashtag soutien, parce que là, je suis dans une sauce. Vraiment, les gars, je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous verrez l'envers du décor dans ma vidéo setup qui arrive dans 2 semaines, je crois. C'est la sauce. Là, les gars, pour vous dire, ma play est dans la salle de bain. Je ne troll même pas. Là, je tourne ma vidéo depuis la chambre, depuis ma chambre. Mais ma play, je l'ai mis dans la salle de bain parce qu'elle fait un bruit de chétane. Je suis pas CPC. Mais là, bref, je vais tout vous expliquer dans ma vidéo setup. Mais là, je suis dans la merde. Ouais, il va être minuit là. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour répondre à vos questions rapidement et le plus clairement possible. Et voilà. Donc, Vanir fait un classement des meilleurs modos. Donc, en gros, je peux pas faire de classement parce que vraiment, c'est la sauce. Ouais, je prends pas de risque, mais genre, je peux pas. Vous classez, vous êtes tous actifs à votre manière, attachants à votre manière, mais what the fuck, genre je peux pas. C'est la sauce, après vous allez démissionner là. Si le dernier de mes modos là du classement il va se barrer, donc bon, ouais, on va pas faire de classement, mais je vous aime tous autant que vous êtes, les modos et même les abos. Donc ensuite, une question de Nitro, tu joues depuis quelle saison? Je joue depuis la saison 3, chapitre 1, c'est celle avec le faucheur, voilà. Tu joues en linéaire ou au expo? Linéaire, frérot. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sittings il y a pas très longtemps, si vous voulez voir mes sittings. Et on peut 1v1, j'ai 2K sur YouTube, STP pour une vidéo. Bah écoute, frérot, les 1v1, j'en fais pas souvent. Et quand j'en fais, c'est avec les subs sur Twitch, sur mes live Twitch. Mais sinon, je fais full MVZ, full créa abonné chaque jour avec les abos. Donc n'hésite pas à venir, ce serait un plaisir de jouer avec toi, frérot. Clem-du-bas YT, tu gagnes combien par mois salaire? Ça, je sais pas si on a le droit de le dire. Genre par exemple, le code créateur, on n'a pas le droit de dire combien on gagne. Twitch, je sais pas. YouTube, en fait, je sais pas. Moi, ça me dérangerait pas de le dire, mais ouais. Bah déjà, je peux vous dire un peu moins depuis que, entre guillemets, je suis passé only vidéo sur YouTube et je fais tous mes lives sur Twitch. Parce qu'avant, sur YouTube, en faisant les lives, j'avais des dons. Genre, j'ai eu des dons, il y a eu des fous furieux qui m'ont fait des 100 € de dons et tout. Donc, bah, un peu moins depuis que je suis passé en live exclusivement sur Twitch. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire du Fortnite live tous les jours? Bah, en vrai, je suis pas vraiment, c'est une passion. Genre, j'aime bien stream, parler aux gens, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Et ouais, de stream chaque jour, je sais pas, genre, c'est une passion. Ce qui m'a motivé peut-être au début de commencer les vidéos et tout, bah c'est les autres, voilà. Enfin, tu sais, quand tu vois des streamers sur Twitch, genre à l'époque c'était du FIFA, moi quand j'ai commencé c'était sur du FIFA. Quand je voyais les streamers live du FIFA avec leur commu répondre, je trouvais ça trop cool et ouais, j'ai commencé. Hein. Ça m'a plu à l'heure actuelle, bah voilà, on charbonne, on s'arrête pas. Hein. John Oliveira, joues-tu avec une manette à palette ou en clos ou normal? Dis-nous tout. C'est trop chaud BG. Bah merci frérot. Bah alors écoute, je joue avec une manette DualShock sans palette et je ne joue ni en clos. Voilà. J'aimerais bien pourquoi pas avoir une manette à palette. Une palette pour sauter et une palette pour prendre les construs. Ça me ferait peut-être un peu plus step up, mais sinon non. Ensuite, Lane, comment gères-tu les cours et les vidéos? Code MTX, tu vas aller dans la boutique. Oh là là, ça c'est ça qu'on veut. STP dédicace, moi. Bah dédicace à toi, mon petit Lane. Avant, je liveais tout le temps sur YouTube, donc ça me prenait pas trop de temps de live. Genre live, t'as rien besoin de faire. Enfin, tu commences ton live, tu parles, voilà, ensuite tu finis. T'as pas de montage, t'as rien entre guillemets de trop à faire, c'est. Voilà quoi. YKMatrox, tu comptes montrer ta tête un jour? Ouais, au 100 sub, c'est un sub goal, voilà, sur Twitch. Au 100 sub, sur mon Twitch, tout simplement, je ferai des facecam, tout simplement. Ensuite, YT Flazen, qui t'a donné envie de commencer sur YouTube? Code créateur MTX-Valex. Bah, un peu plein de streamers, il y en a qui savent que j'ai une chaîne YouTube Clash of Clans, c'est gros malaise, mais j'ai eu beaucoup d'inspiration. Genre, j'ai eu ma période Clash of Clans avec les Dovahkiin, Trapa pour ceux qui connaissent le jeu. Clash of Clans, voilà, donc j'ai commencé Clash of Clans. Sinon, après, je suis parti sur du FIFA. C'est un streamer qui s'appelait Big Bang, je crois, 06, qui me donnait envie de stream parce qu'il streamait du FIFA. Ou un peu bah, les autres, tout simplement. Voilà, les autres, ceux qui streamaient et tout, bah, ça m'a donné envie de faire comme eux. Et voilà. Là, je regarde, il y a des questions qui reviennent sur le salaire, donc j'ai déjà répondu tout à l'heure. Matt, bah, ça, c'est mon cousin, super, qu'est-ce qu'il m'a dit? L'influenceuse que tu trouves la plus belle?
Allez hop, question suivante. Alors, ouais, du coup, MTX Loulou, c'est quand que tu grindes une team? Bah, là, récemment, j'ai une idée en tête de team à grind, mais après, je sais pas, genre, c'est trop la sauce. Je crois que, genre, là, je vois sur Twitter, il y a des mecs, ils ont le hashtag et ensuite le nom de la structure qu'ils voudraient grind. Et ça fait genre 6 mois, ils sont toujours pas pris. Je me dis, mais moi je vais galérer. Genre, donc je sais pas en vrai, j'aimerais bien rejoindre une team, mais c'est la sauce là. Iridium tiré du bas, Mams, à quand une vidéo setup? Eh ben, dans 2 semaines, et vous verrez l'envers du décor de cette vidéo FAQ que je tourne à minuit, c'est la sauce. Mais voilà, dans 2 semaines, mon ref. Nizen, comptes-tu continuer YouTube après plus tard? Bah, tant que ça me plaît, et no joke, je vois pas comment ça pourrait plus me plaire. À moins que le jeu Fortnite cool, que je sache pas sur quoi rebondir, genre de style de vidéo. Genre, imaginons Fortnite cool, il n'y a aucun autre jeu qui me plaît, je commence à tenter de l'IRL un peu, plus personne me suit. Ça pourrait être une fin de carrière, écoute, voilà. Mais sinon, moi là, je suis sur Fortnite, je suis très bien, et je kiffe ce que je fais. Voilà. Ensuite, Dark, ton streamer préféré, c'est Never CS, parce que je dirais. Ouais, parce que je le regarde tout le temps en fait. Je suis pas sub, mais genre, je le regarde H24, parce que j'adore quand ils s'insultent tous. Pour ceux qui regardent avec Never Ryazob, Lazarov, c'est assez drôle et safe. Voilà, j'aime bien les délires qui se tapent. Juste, quand ils font des cups et que moi je les fais en même temps, bah, je vois pas, mais c'est trop des barres des fois quand ils s'insultent. Voilà. Ensuite, Keyox de Aze, ton meilleur joueur manette et CS en U, code créa, texture du Alex. What the fuck, ça fait plaisir, tout le monde qui met mon code créateur. Oh, je suis sûr, il y a des mythos, mais c'est pas grave. Tranquille, je vous aime. Meilleur manette, je dirais Lazen. Je regarde plus trop. Enfin, là en ce moment, il n'y a plus trop de cup, donc je dirais, je sais pas, Lazen avec les perfs et tout. CS en U, je dirais Tazen. Tazen, c'est un monstre, il perf tout le temps. MTX, le stuff d'Alex, as-tu une meuf? Non. Voilà, on va passer sur une autre question. Du coup, MTX LTX, quel est ton logiciel de montage? Et si tu as un monteur, ça te coûte combien par mois? J'ai pas de monteur et mon logiciel de montage, c'était Shark Factory sur Play. Mais maintenant que je vais passer PC, je vais faire sur Sony Vegas Pro 16. Ujalpak, comptes-tu faire des vidéos IRL un de ces 4 un jour, pardon. Bah, je sais pas. Pour le moment, Fortnite ça marche. Moi, enfin, ça marche. Genre, le jeu est toujours bien, il meurt pas. Donc, je reste sur du Fortnite. Si le jeu il meurt et que je devrais faire autre chose, d'autres styles de vidéos, pourquoi pas faire du IRL. Ensuite, une question d'Adip BST, ta meilleure perf. Mon top 132 en cash cup solo, genre en gros j'étais top 20. Genre en gros, dernière game, c'était à la saison 2, même je faisais le spawn requin avec le grappin mythique, scar mythique. Dernière game, je tape un top 1, 12 kills je crois, et genre je suis 24ème de la cash cup. Et à cette époque, les frérots, rappelez-vous, c'était sur 2 rounds. Genre, il y avait un round, fallait faire top 100. Et ensuite, le deuxième round, c'était comme les FNCS solo. Genre, en gros, les 100, ils avaient 6 games. Ils étaient les 100 à chaque fois dans les mêmes games. Vous voyez le délire? Et j'étais 24 et j'ai dégringolé au fil du temps et j'ai fini 132, je crois. Je crois. Voilà. Trésor, c'est quoi la config de ton PC? Mon pote, c'est la sauce. Si tu veux savoir, viens sur mes live Twitch, fais pour l'exclamation config et t'as toute ma config. Je t'ai tout marqué, mon ref. Sinon, je la connais pas du tout. Je suis pas du tout calé. Ensuite, FOX TV, comptes-tu gagner ta vie avec YouTube et combien tu as fait à date? Car je pense me lancer aussi si c'est pas trop personnel pour toi. Alors, j'ai pas compris. Les gars, je suis un sgeg, je crois que je suis un peu con là, je comprends pas. Bon, déjà, est-ce que je compte gagner ma vie avec YouTube? Je vais être lucide, je pense pas gagner d'argent, enfin, genre pour en vivre avec YouTube. Mais ça peut, tu vois, à côté, tu vois, de mon futur taf ou je sais pas, faire des petits compléments, tu vois, genre pour arrondir les fins de mois. Genre, voilà. Mais je pense pas du tout en vivre. Et après, l'autre partie de la question, j'ai pas du tout compris. Donc, repose ta question sous les coms, et Fox, et je t'y répondrai personnellement. McDonald 17, quels sont tes objectifs pour 2021? Toujours plus de charbonnage, voilà. Step up dans le milieu du streaming, genre en mode sur Twitch, tu vois, parce que vu que j'ai fait le Switch, vu que je l'avais exclusivement sur YouTube avant, bah là maintenant, step up, je sais pas, en viewer sur Twitch et que ma chaîne YouTube meurt pas, voilà, tout simplement. MTX Kizix, est-ce que tu feras une cup MTX? Alors j'en ai déjà fait par le passé et ça s'est super mal passé. Quand t'organises une cup, ça te retombe toujours dessus, l'organisation, tu vois, s'il y a des gens qui commencent à slay, quand ça commence à partir en steak, c'est tout le temps l'organisation qui en prend plein la gueule.
Voilà, ça vient jamais de la commu ou ceux qui respectent pas les règles. C'est toujours l'organisation, c'est mal organisé. Même The Vic, quand il fait ses tournois trop bien, en plus il y a des gens qui quittent, ouais, qui rage quittent les clubs, donc ça c'est horrible. Et en plus, j'ai eu des soucis avec des gens qui respectaient pas les règles du tout. Donc moi je suis très bien, je fais maintenant les clubs, j'organise plus rien. À la rigueur, peut-être tournoi MVZ en créa, genre à 16, ça peut se faire, mais les grosses cups à 100 joueurs, impossible. Ah, j'en refais plus, j'ai été traumatisé là. Zazie 300 IQ, wesh. Alors, question 1, quand est-ce que tu vas faire une facecam aux 100 subs sur Twitch? Question 2, c'est quand que tu vas avoir ton PC? Je l'ai déjà eu. Mais ouais, quand j'ai dit poser vos questions pour la FAQ, j'avais pas encore reçu. Et la troisième, est-ce que tu aimerais rejoindre une team pro à Rage et 4B? Eh ben écoute, j'aimerais beaucoup, j'ai un nom en tête, mais quand je vois qu'il y a des grinders, ça fait 20 ans ils grindent et ils sont toujours pas pris, je me dis oh bordel. Moi, je suis parti pour un an de grindage, ça ira. Du coup, je vais rester avec mon tag MTX. Scoot Nono, as-tu une copine? Est-ce que tu as un compte TikTok? Alors, j'ai une copine, non. Et est-ce que j'ai un compte TikTok? Oui, mais je fais pas de TikTok. Je regarde juste les TikTok des autres et voilà. Ensuite, Mokiz. Oh là là, Mokiz Love Alex. Je suis le meilleur donateur. T'es le best, Mokiz, d'accord? Je crois que vous êtes au coude à coude avec Anto aussi sur Twitch. Avec gift 20 subs. Mais ouais, Moki, je crois que t'es le best. Ouais, je crois que t'es le best. Toi, tu m'as offert plus de 150 euros de dons. Ouais, non, je crois que toi, t'es le best. T'es le best des best. Team Dream, vas-tu faire une cup pour les 10K? Les cups, j'ai été traumatisé. Donc non. Mais il y aura une vidéo spéciale 10K, mon ref. Pierre Rib, est-ce que tu vas créer une team ou rejoindre une team? Pas en créer une, j'ai un tag communautaire, donc si vous voulez le mettre, c'est MTX en majuscule, donc c'est une sorte de... C'est pas une team, c'est un... Ouais, c'est un tag communautaire, c'est un peu comme les JL, CA, Chauve Army, la squad, c'est LS, genre vous voyez ce genre de tag, donc voilà. Et rejoindre une team, j'aimerais bien, en tant que content creator. Pour les refs, on va s'arrêter là pour les questions. J'ai essayé d'en répondre un maximum. Il y avait 80 questions à peu près sous le post commu. Et voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'essaie d'en répondre un maximum. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues. Genre les trucs des meufs, les projets, tout ce style-là. Donc je suis désolé si j'ai pas cité votre pseudo, mais j'ai répondu à travers une autre personne. Donc j'espère que j'aurai satisfait vos réponses, enfin vos questions plutôt. Que j'ai bien répondu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo FAQ. Bah, je suis content en tout cas. Voilà, on a fait une petite mise au point des projets, bah, voilà, de vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like et le hashtag soutien parce que c'était vraiment la sauce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le petit hashtag soutien. Je vous kiffe les frérots et je vous dis à plus à samedi pour la grosse, grosse, grosse vidéo qui aura dû sortir aujourd'hui. Voilà, allez, ciao les frérots. Ciao, ciao.